Et salut à toi et bienvenue dans cette vidéo COTD et nous sommes sur le circuit Tokyo, tout simplement de la Formule E. Et en fait c'est une grosse journée, enfin grosse journée non, mais on enchaînera directement avec la Race Tokyo en fait, juste après. Donc c'est un événement en partenariat avec la Formule E. Et du coup COTD into Race, du coup c'est Nadeo qui organise ça. Enfin, Ubisoft. Et je crois que c'est le vrai circuit Tokyo. Du coup, je sais pas s'il y a des connaisseurs dans le chat là qui connaissent peut-être un peu la Formule E et tout. Je sais pas, c'est une vraie réplique du circuit ou c'est un peu en mode. Je sais pas. Je pense que c'est une vraie réplique parce que j'ai vu un peu. J'ai vu un short où il y avait deux pilotes de Formule E justement qui jouaient ATM sur ce circuit là. Je me dis s'ils doivent jouer, c'est qu'ils reconnaissent le circuit. Ok. Bon. Moi j'ai peur d'avoir mal aux mains. Ah, c'est ma plus grande peur. Surtout que vraiment en ce moment j'ai un peu plus mal que d'habitude. Je vais prendre rendez-vous pour checker un petit peu ça. Que là ça va en COTD, mais quand on va faire la race Formule E, en fait c'est de l'endurance. Et moi c'est pas mon point fort, l'endurance. Ouais, bah les gros joueurs Formula League. C'est Pat Rose. Alors dans l'ordre, je dirais top 3 de ce que je connais, c'est Vossil et Pat Rose qui sont les deux, genre les deux gigaboss. Tu sors early? Ah non non, moi je fais la COTD. Non non non, je suis pas à ce point-là tryhard de. En fait, vu que je vise pas la win, c'est pas grave si je spec un moment, tu vois. Mais ouais, je pense que les gros joueurs qui vont sortir de la COTD, bah, ils vont directement aller en TA pour s'entraîner. Mais j'avoue que moi, je préfère rester en spec pour checker la COTD et puis voilà. Ouais, je voulais dire en top 3, Gvik. C'est les seuls que je connais en fait. Je sais qu'il y a Heave aussi qui a fait des bonnes perfs. Shorty aussi un petit peu. Je crois Paul. Il y a quand même du monde. Icewolf aussi, il jouait pas mal la Formula League, je crois. Mais disons que les deux gros noms à retenir, c'est Vossil et Pat Rose. C'est genre Hamilton et Verstappen. Bon, ça va petit à petit. Petit à petit, je vais me souvenir de la map. Alors j'ai pas changé mes bindings, mais j'ai rajouté un bind pour avancer. Genre j'ai une touche en plus pour avancer. Pour avancer deux fois plus vite. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pour relâcher ma main sur des lignes droites. Genre là, j'ai une main de libre et c'est la main où j'ai tout le temps mal. Du coup, je me dis, je peux... Par contre, ça veut dire que je dois release pour reprendre le bon bouton d'accélération, mais bon, on s'en branle un peu. Pas très intéressant tout ça. Opa! Bon, là, c'est plus un memory.
Par contre, cette ligne droite, elle va en bouffer de l'énergie. Je sais pas combien on aura de lap, mais Ah ouais, des fois ça récup pas quand même. Beau montillant. Et yo, Stegabat. C'est pour le 58e mois. Ce soir, la course d'endurance, ouais, c'est ce soir. Mais vous savez que la course d'endurance, à tout moment, je flop et je fais genre... Je fais pas div 1. Parce qu'il y aura aussi des divisions pour la race, je crois. Par contre, je sais pas combien c'est le top. Je crois que c'est top 20. Pas sûr de ça, mais... Ouais, ce sera sur cette piste-là. Oh, j'ai de la peine à me souvenir. Ah oui, là, il y a un sort de S into finish. Ok. Bam, 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 bam. Ah putain, attendez. Faut vraiment que j'arrive à me souvenir. C'est quoi le top 3 style de map où tu perfs? Je sais pas trop. Bah tu vois par exemple les maps dirt. Si on prend le style où j'ai le plus win les COTD, c'est sur des maps dirt. Sauf que je me considère pas du tout joueur dirt, mais juste... J'arrive bien à perdre dessus apparemment. Il est dur ce turn. Et là c'est un sort de 90 après. Ah c'est dur à gérer. Et là full speed jusqu'au... Zigzag. Et full speed. Moi je choque encore un peu. Alors ouais, j'ai écrit dans le titre vraiment no spoil SVP. Hier je me suis fait spoiler RLCS, j'étais dégoûté. Du coup là j'ai rajouté dans le titre. Donc n'en parle même pas dans le chat en fait, s'il te plaît. Vu que je demande de pas spoil. Désolé. Oh, vraiment hier j'ai rien demandé. On va me dire ah au fait ah ça va parce que eux ils sont qualifs. Là mais ça fait une faute dans le titre. Ouais je l'ai écrit vraiment en speed donc je vais modifier après. En fait justement je regardais le match BDS G2 et tout d'un coup je regarde l'heure par hasard. J'étais en mode ah ça doit être 18h30. Je regarde l'heure, je vois 54. Et du coup j'ai speed up pour lancer le stream. Le stream, ouais, c'est pour ça que je rappelle. Ah putain, j'oublie ce turn en fait. Ah, c'est de la merde ça.
Ah, c'est presque un no-drift ici. Ah, mais j'ai pas la div de mon PB. J'avais enlevé pour le hunt. Non, du coup, pour la question d'avant, je dirais RPG, tech et... Enfin, après, trial, mais trial, ça va dans le RPG pour moi. On peut presque full speed ici. Ah, à part, j'ai pas lu toute la question. Et j'ai un peu plus de speed normalement. Ok, mais j'ai pas mon PB. Ok. Endurance, c'est une catégorie, ouais, pour moi. Et je suis... C'est pas du tout mon genre. Ouais. Je suis pas du tout... En fait, je pense que c'est à cause de mes bindings, genre j'ai vite mal aux mains et du coup je joue différemment et tout. Ok, ici il faut que je traîne. Genre Néo. Ouais, celui-là. Ok. Et il y a un autre que je dois train, c'est la sortie là-bas. À mon avis, c'est full speed, full speed. Ah, pas full speed, mais genre... C'est pas un drift. Comme ça. Je vais le faire quelques fois. J'aimerais bien... Ah ouais. Ok. Pam pam. Je fais plus partie de la team. Non, ça fait depuis 1er février que je suis plus chez eux. Plus le temps. Endurance sans connaître la map. Ah, pour le coup, Fast Learn, c'est une catégorie. Ouais, mais c'est pas une catégorie de map. On se comprend. En vrai, je vois où il est, le 56. Genre, je vois ce que j'ai à faire en plus. Y a... En fait, ça se joue sur... si tu grid ou pas. Les sorties de speed blind. Et ça, faut mieux le setup pour pouvoir full speed à partir d'ici. Ah, quoique, putain, j'oublie, c'est l'autre qu'on peut full speed. Il y a deux termes qui se ressemblent beaucoup. Ok. Oh, ça va le faire. Je reviens deux secondes.
Ouais, je ferme. Qui montre qu'il a le niveau de Patrose. Je pense qu'en endurance, il a pas le niveau de Patrose. Là, c'est du time attack. Je sais pas, on verra, on verra. En vrai, ça peut être une bonne surprise, Kvik. Ouais, évitez de parler de RL en vrai, s'il vous plaît. Grats on winning. Pourquoi il y a pas... Non, me dis pas que Vossil, il a été train en... Il joue quand même la COTD. Ça c'était full speed. Oh, je sais pas comment je vais tenir l'endurance. J'ai déjà mal au pouce. Bon, allez, je tente un fast lap. Ok, je tente un safe. Ce turn est trop dur à se souvenir. Enfin, à guess, parce que on voit pas la sortie, du coup on drift un peu en mode j'espère que ça passe. Ça, je sais pas si c'est vraiment la fast way de Nodré. Peut-être pour économiser la batterie, c'est intéressant de pas drift. Ouais, par contre, le coach en. Non, s'il vous plaît. Non, no backseat, évidemment. Non, en vrai, je sais ce que je fais de faux, juste. C'est juste que là, on connaît pas la course, donc c'est. Et vu que c'est pas dans la green ADO, c'est un peu plus dur de jauger juste le turn. Mais ça va venir à force de faire les rounds, je vais. Je vais apprendre la map. Donc là c'est zigzag full speed. Ouais, en fait, c'est tellement dur de jauger. Pareil, ici. Je veux sortir avec de la vitesse en sortie. Pareil, ici, par exemple.
où là tu peux grid ta vitesse mais potentiellement taper le mur à droite. Donc c'est tout du jugement. Oh non, Stuffed. Oh ça va, il passe. Stuffed, c'est un bon joueur. Bon joueur Formula League aussi, je crois. Bon, allez, un petit 56 pour se chauffer. Et merci Sixpo. Merci pour le troisième mois. C'est Fires. C'est un peu tremblant. Pich ! Ouais, bah, j'ai tenté. Le pire, c'est un ce genre de map en time attack. C'est vraiment pas un truc que j'aimerais faire. Yo Glagan, yo Alain aussi. Ça, je pense, je peux avoir une bonne pace. Hein. Après, les gens pushent pas de fou, mais. Ouais, moi j'ai... C'est pour ça que je fais que ça, ce stream. J'espère que ça va aller. Tiens, je switch clavier. Non. Mais en vrai, je vais pas me tuer la main. Si j'ai trop mal pendant l'endurance, j'arrête. Bien avec ça. J'aimerais bien un 56 quand même. Mec Vic qui fait du 55 là. Même round d'avant il a fait premier aussi je crois. Des chances que ça roule vite. Hein. Mais tant mieux, ça fera un fight au top. Thank you.
Ouais, déjà si je perds pas la guerre ici. Et tiens, quoi? PBM, toujours pas 56. Compliqué pour un top 10? Ouais, ouais, bon, on verra. Ça dépend des chocs et tout. Là, je joue un peu moins les COTD. Je vois que je m'en fous un peu plus du top que je fais. Là, c'est plus un training pour la race. J'avoue, pour une race Formula, j'aurais préféré qu'on ait la map. Genre comme la Formula League, je crois que c'était genre 15 minutes. 15 minutes de time attack, ils découvrent la map. À quand la prochaine River COTD? Ça, pareil, c'est des trucs que je peux pas savoir parce que c'est quand il y a une map full speed. Et vu que je joue de moins en moins les COTD, il y a moins de chances que j'en fasse. Après, peut-être ce qu'on fera, c'est... Pendant le training Zilan, si tout d'un coup il y a une COTD full speed, bah on peut stop le training et faire la COTD reverse. Ça peut être marrant. Ça, on fera... Mais c'est un peu la loterie. Je connais pas Erupt Dave là. Attends, des Suisses en divin, c'est pas non plus tous les jours. Ça, c'est pas mal, je trouve. Et je grille pas. Oh, Kvik! Après, quand tu grilles dans 55, là, c'est Banks. Banks et Stuffed. En fait, c'est ce que je vous expliquais. Pour avoir un bon temps, t'es obligé de prier. Prier dans le sens où « Ah, j'espère que je vais pas toucher à la sortie de mon turn. » Et du coup, je pense qu'il y a pas mal de très bons joueurs qui vont sortir early à cause de ça. Moi, je réalise partout pour pas taper les externes. Là, j'ai un peu green. Ah. Un bon exemple du premier qu'on voit slowdown. Ça commence à prendre une bonne pace devant. On joue pas la même map, comment ça? T'as pas le mode? Merci pour les NT.
Ouais, un peu trop hinté là. Pas le skill, ouais. Et deux secondes. Ça c'est snow ça. Ça y a du monde là d'un coup. Ouais, avec son tag PNL, c'est pour ça. Oh, Scrap. Oh, Ayako devant Scrap. Qui l'eût cru? T'as 55.7 le Banks. Ça roule très très vite. Hein. Il n'y a pas besoin d'autant de drift, mais cette turn il me fait peur. Et je pense pas que je drifterai ici pendant la race. Parce qu'il faut trouver des turns pour echo la batterie. Pam pam padam. Point 9. Mais je crois que j'ai fait que... Enfin, je fais des points 9, point 0, point 1. Je crois que c'est ma range. Ça va être ma régu en... En race. Ça passe quoi quand t'as plus de batterie? Quand t'as plus de batterie, t'as très peu d'accélération. Tu peux quand même accélérer, mais... T'es un peu in the mud. Oh, j'ai paniqué. Mais ça va, j'ai bien safe. Yo Pika. Banks, ça roule vite, hein. Mais Banks, je crois que... En fait, c'est le genre de talent qui a les moyens d'aller décrocher une bonne place en Formula League. Mais qui a juste jamais joué, je pense. Enfin, je sais pas trop, mais... Et du coup, ce genre de race avec du cash prize et tout, ça peut intéresser... Les joueurs qui ont le potentiel, mais qui n'ont pas forcément participé. Ouais, j'ai vu une seconde 6, j'ai un peu safe. La course des 24 heures, c'était un monstre, Banks. Ah bah typiquement, regarde ça. What the fuck, il a 0.8 d'avance. This is a glorified neo-slide practice. C'est vrai que...
Window, il serait content sur cette map. Glorified Neo Slide Practice. Oh le no drift. Ça, j'ai pas été tout seul. Ouais, ils sont loin. Mais il fait que du 0.7 depuis tout à l'heure. Ah, c'est abusé de faire ça. Banging walls for real, for real. Ouais, elle a buggé la voiture. Ah, vas-y, j'ai tenté. Il y avait sûrement même pas besoin. Mais top 12, très bonne paire. Ah, peut-être top 11? Oh, oh non. Top 12. Bon, il y a eu de l'hécatombe sur la fin. Si tu pouvais m'apporter tes réponses, je suis preneur. Mon jeu ne déle plus aucun mode. Est-ce que t'as... Souvent, c'est lié au plugin cheaté, genre Custom Skid Marks ou Better Texture. Pense à enlever ton dossier. Si t'as un dossier qui s'appelle Modwork dans Trackmania Skins, faut absolument l'enlever. Mais ouais, avec les plugins qui modifient le jeu, je vois de plus en plus de gens... venir se plaindre comme quoi ils ont aucun mode. Tant mieux pour eux, mais c'est chiant à répondre à chaque fois. Oh, Grana. Oh, Grana c'est up, cette s'il est out. Oh, il rattrape Marius, je pense. Sur le dernier drift. Ouais, Marius, joli fight, hein. Seul truc que j'ai, c'est les marques de pneus. Ah ouais, faut l'enlever alors. Faut l'enlever. Tu peux pas avoir de mode avec les marques de pneus modifiées. Vous savez pas où trouver des mods ADL? Il y a sur Mania Park. Sur Mania Park ou sur le forum de Trackmania Exchange. Tu vas dans forum, mod, et t'as plein de mods là-bas aussi. Ah, pour l'instant, c'est juste clean, hein. Oh, putain. Bon, il a hard choke, Joey, mais... C'est quand même vachement greedy, son terme.
55.8. Faudrait Wheezy sur une cup comme celle-là. En fait, Wheezy, il joue cockpit opaque en plus et volant avec gants et tout. Il y a des divs aussi. Oh, ouais. Il la joue normalement. Ouais, je pense, mais je parlais pour la COTD, là je l'ai pas vu en diva. En vrai, on s'y croit. Hein. Regardez. Genre c'est presque... C'est la F1 2025. Oh, Banks ! Ah ouais. F1 2005. Oui, bon, je suis pas assez... Je m'y connais pas assez. C'est vrai que ça ressemble plutôt à un jeu de 2005. Des drifts en F1, bah ouais. Bah, à savoir que les drifts à la base c'est un bug. Oh, Banks. C'est bon. Allez, le fight entre Dev et Paddy. Oh, Granat. Aïe, aïe, aïe. Oh, Granady a pas dit son dernier mot. Et il est sauvé, hein. Ah, belle tentative quand même sur la fin, mais c'est pas suffisant. Allez. PayPal later. Toutes les mécas de TM viennent de bug. Quasiment. En vrai, ouais. Tu vois, les speed slides, Neo Drift, le Drift, le Grass Slide, le machin, le truc. Oh ! En vrai, à la paye, s'il rattrape Dave, hein. Je suis désolé, Dave. Il y a du match fixé. Oh, Snow. Oh non, le no drift. Ah, unlucky. Bon, moi, faut que je warm up, là. Je warm up. Je warm up mes mains, hein, pas in game. Quoi. Ok, moi je dis Dave out, Grana out, final Banks Kvik, Banks win. That's my top 4 prediction.
Oh ouais, mais le truc, c'est que là, ok, Dave passe devant. Mais est-ce que vous connaissez la pace de Bunks, en fait ? Par contre, si no drift... Oh... Ah, Dave, qui c'est qui doit push, hein ? En vrai, sur un mauvais turn de Bunks... Ah... Joli fight. Ah, je pensais que Bunks serait parti plus loin. La course va être drôle niveau batterie. Mec, j'ai aucune idée comment ça va fonctionner. Je me demande si quelqu'un qui a Theorycraft la batterie, il a plus de... Genre, il a une chance de clutch. Je pense pas. Ça m'étonnerait que ça ait un réel avantage. Moi, je me disais, il y a peut-être une strat où c'est plus rentable de prendre le boost quand il pleut. Oh, Gvik. Oh, Bunks. Il y a beaucoup de lignes droites. Ah ouais. T'as joué la TMFL avant? Ouais, mais que quelques races sans plus. J'ai vite vu que c'était pas pour moi. Mais TMFL, c'est complètement différent parce que c'est une jauge de... C'est une jauge d'essence. Et du coup, t'en gagnes pas en fait. Donc c'est particulier. Là, c'est une batterie qui se recharge quand tu releases. Vu que c'est formule électrique. Et avec le frein aussi. Mais le frein, ça a pas l'air de beaucoup remplir la batterie. Top 4 est faux. Ah, mais... TMFL, à haut niveau, ça se joue sur le driving. Ils font tous la même strat de... d'usure des pneus et de... et compagnie. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si tu parles du top 4. Top 4 qu'on a énoncé tout à l'heure. Mais... Tu peux aussi faire des tours en backward et recharger ta batterie. Je suis pas au courant de ça. Bon, Bunks, normalement... Oh ouais, Grana qui a tenté pour remonter, il était obligé. Et c'est GG. Ce sera un 55.667. Bon, on a vu du 0.4, je crois, en round. On va voir. Ouais, point 43. Et on a Vossil du coup qui était en full soloing. Ah, j'espère juste que c'est pas une heure de course. Genre 15 minutes de time attack. Into seeding fastest lap. Into... Un petit 20 laps, c'est pas mal. Allez, 20, 25 laps. Ça fait 30 minutes. Ouais, un petit 30 minutes. 23 tours, mais on est sûr de ça. La map d'entraînement, c'était 23 tours, mais pourquoi ce serait... Y a pas de seeding fastest lap. Ah ouais, c'est pas un flying lap et qualif. J'ai gardé les datas de la map training. Ouais, donc tu sais pas, ça peut changer en fait. Ça, peut-être c'est pas forcément 23 tours. Je sais que c'était 23 tours sur la map d'entraînement, mais...
15 minutes de Cali et course de 30 minutes. Ok, ok. Bah, 30 minutes, je peux tenir. Players need to pay attention to their battery level. Eh putain, YouTube! Ah, YouTube, j'espère que t'as kiffé cette COTD. Bah, du coup, YouTube, on se retrouve pour la race. Pense à t'abonner à cette chaîne pour pas rater la prochaine vidéo qui sera la race, du coup. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bisous!